confort. Alors, vous êtes présent sur le Salon du Livre avec ce livre sur Jean Ferrat. Expliquez-nous un petit peu cette passion qui vous anime sur Jean Ferrat. Eh bien, tout simplement, je considère que c'est un des plus grands artistes de la chanson française, auteur, compositeur et interprète avec une voix d'or. Et je pense que 2 ans après sa mort, il reste, en tout cas d'après les témoignages que j'ai, d'après la foule qui se presse, l'un des artistes préférés des Français, oui. Aussi bien les jeunes et les moins jeunes. Alors ça, c'est une très bonne observation, parce que justement, je pensais qu'il touchait, on va dire, un public peut-être au-delà de 40 ou 50 ans, et je m'aperçois en fait que non, qu'il touche également la jeune génération, parce que souvent, du reste, des enfants offrent le livre pour leurs parents. Et je pense que les parents transmettent à leurs enfants l'amour de Jean Ferrat. Et je suis très heureux d'avoir fait ce livre en compagnie de l'administrateur, de l'aquarelliste, qui, comme il se fait un peu attendre, comme toutes les stars, de l'aquarelliste Philippe Lorrain, que j'apprécie beaucoup, et qui a écrit, qui a signé vraiment de très jolies aquarelles. Ce livre est un grand succès, j'en suis très heureux, et je pense que Jean Ferrat a été aimé non seulement comme artiste, mais également comme être humain. Et je crois que c'est ce qui fait sa richesse. Je pense que, je peux même vous faire une confidence, je pensais que Jean Ferrat était l'un des artistes préférés des Français. Je pense, après avoir fait nombre de salons du livre en compagnie de Philippe notamment, qu'il est tout simplement l'artiste préféré des Français. Je le crois encore, je le crois profondément, et c'est pour ça que nous allons essayer de faire vivre ce livre qui est un livre d'amour. Et votre chanson préférée de Jean Ferrat ? Ma chanson préférée de Jean Ferrat, c'est très difficile de répondre à cette question parce que il y en a tellement, je pense pouvoir vous dire que je connais à peu près par cœur une cinquantaine de chansons de Jean Ferrat. Je peux même vous en chanter une ou deux si vous le souhaitez. Mais je pense que Ma France est peut-être ma chanson préférée de Jean Ferrat. D'ailleurs, il y a un mouvement, le saviez-vous, qui se dessine pour... Alors, ça n'aura sans doute jamais lieu, mais pour remplacer la Marseillaise par Ma France. Et si vous écoutez les paroles de la Marseillaise, qui sont des paroles assez dures, enfin, j'ai dit qu'un sang impur abreuve nos sillons, et que vous écoutez à côté les paroles de Ma France, qui est vraiment une chanson d'amour adressée à la France, même si ça n'aura jamais lieu, j'aime bien cette idée. Voilà. Merci en tout cas Nelson Montfort, et puis pour finir un petit florilège de Ma France. Allez. De plaines en forêt, de vallons en colline, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, Ma France. Voilà. Merci. Merci.